Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto d'un mec en basket, tuto consacré à... Bah Excel, bah ouais, bah attends, eh, on fait le boulot jusqu'au bout, on le fait pas, et nous, on va le faire jusqu'au bout, on est des professionnels de la profession, on eh, est pas des rigolos, hein Bon, alors, petit tuto sur Excel, et plus particulièrement sur de la macro-programmation Excel. Euh, dans cette vidéo, on va simplement découvrir comment mettre en forme les box selon nos désiderata, selon nos souhaits personnels. Tel textbox devrait être en majuscule uniquement, tel textbox en minuscule, euh... Quoi d'autre, quoi d'autre Un nombre de caractères imposés, pas plus de 12 caractères, ou pas plus de 9999 caractères, si c'est vraiment une grande adresse, par exemple, pour le client, parce qu'il habite très loin. Bref, euh, des formats numériques, enfin bref, on va voir tout ça dans ce tuto. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 3000. Enfin, pas encore, dans, dans, dans 400 à peu près, 300, je sais pas. Mais euh, si on m'avait dit, si on m'avait dit, si on m'avait dit que j'aurais 3000 abonnés, bon, je les ai pas encore, mais bon, quand j'en avais 2000, on me l'aurait dit, j'aurais pu le croire. Quand j'en avais 12, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Et ben là, euh, je suis prêt à y croire. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Plus on est de fous, et ben, plus on est nombreux et. Et puis, et puis voilà, puis on est nombreux. Hein. Allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Un grand merci à tous. Et on découvre notre petite vidéo, notre petit tuto maintenant. Alors donc voilà notre base de travail. Base de travail que vous reconnaîtrez peut-être euh, si euh, vous avez vu la vidéo qui expliquait comment mettre à jour une base de données euh, via euh, un user form, via une, une boîte de dialogue. Euh, ça fait quelques temps effectivement que cette vidéo a été faite et euh, on n'a pas vu grand chose d'autre euh, en l'état actuel des choses au niveau du, de, de Visual Basic. Euh, pour accéder à Visual Basic, vous vous rappelez soit l'onglet Développeur Visual Basic, soit l'icône que moi je me suis mis en raccourci ici directement, soit le célèbre Alt F11 de votre clavier. Ici nous avons donc notre boîte de dialogue que nous avions appelé ajout dans les propriétés que vous avez ici. Vous avez ici le nom de votre boîte de dialogue. Allez, soyons fous, je vais le mettre en majuscule. Ah, super, excellent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve, non, je plaisante. Alors, l'idée ici est d'imposer certains formats de saisie. Je m'explique. Ici, vous pouvez saisir en majuscule. Vous pouvez saisir en minuscule. Vous pouvez saisir autant de caractères que vous voulez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blocage, même si c'est moche. OK Vous pouvez saisir des points, des virgules, des euros, des... Tu peux saisir ce que tu veux. Ah, oh, ça, c'est chiant quand ça fait ça. Arrête, attends, parce que... Attends, hop là, voilà. Euh... Alt euro, alt gros euro, tu... Bon, bref. Bref, on peut saisir ce qu'on veut. Et euh, parfois, quand vous développez une application... Si vous restreignez pas certaines saisies, comme je l'expliquais dans l'intro, euh, eh bien ça peut avoir des conséquences souvent fâcheuses, avec la, la petite fenêtre débogage qui apparaît et qui casse les pieds à tout le monde, voire des conséquences un peu plus problématiques euh, liées aux formules de calcul. Alors il faut savoir donc que ces fameuses text box, vous pouvez les conditionner euh, de manière à, à ben, obliger l'utilisateur à écrire ce que vous voulez qu'il écrive. Allez, on commence très simplement par obliger une saisie en majuscule. Pour ça, vous faites simplement un double clic sur votre textbox. Et vous voyez qu'on va enregistrer un événement sur la textbox dès lors qu'on va changer cette textbox. On va voir qu'il y aura aussi d'autres options telles que After Update ou euh, KPress, par exemple, si vous souhaitez que cette textbox soit systématiquement saisie en majuscule. Et eh bien, on va simplement lui dire textbox2.text égale ukase textbox2.text. Avec cette petite ligne toute pourrite, mais qui va faire euh, son boulot correctement. J'espère que si je vais passer pour un gros charlot. Et eh bien, regardez. Alors, ça va être coton de regarder finalement, mais là, je suis en majuscule. Sur mon clavier. Là, je suis en minuscule sur mon clavier. Majuscule, minuscule. Alors, regardez, hop, je vous montre. Majuscule, minuscule. Donc là, je suis programmé en minuscule. Ok, super, ok. Attention, je suis en minuscule et pourtant, j'écris en majuscule. Donc ça, ça va vous permettre pour le nom du client, ou enfin, pour les informations que vous souhaitez finalement, d'obliger systématiquement une saisie en majuscule. Vous pouvez faire de même avec l'obligation de la saisie en minuscule. Il suffit de remplacer le U-Case par un L-Case. Et là, quoi que vous saisissiez, ce sera systématiquement. Vous voyez, j'ai beau passer de majuscule à minuscule sur mon clavier, chose que vous ne voyez pas évidemment, mais, mais vous me faites confiance, faites-moi confiance. Eh bien, quoi qu'il arrive, je suis systématiquement en minuscule. Ça peut être extrêmement pratique pour des adresses mail, puisque souvent, vous savez, euh, enfin moi je bosse dans le commerce, je commence à le savoir à force, j'ai des clients qui me donnent leur adresse mail souvent et qui me disent par contre, attention, c'est en minuscule. Euh, ouais, non mais pas de souci en fait, parce qu'une adresse mail, de toute façon, il n'y a pas de distinction entre majuscule et minuscule. Vous pouvez vous appeler André Dupont euh, et avoir une adresse André. .dupont .gmail .com. Euh, vous pouvez être deux André Dupont, il n'y en aura pas un qui aura l'adresse en majuscule et l'autre en minuscule. Il y aura forcément un André. et un André. Dupont 1, puis 2, puis 3, puis 4. Pour tous les André Dupont, ils sont nombreux en France, il y en a beaucoup. Et bien voilà, il y aura pas de distinction entre majuscule et minuscule sur les adresses mail. Oh, eh, il faudrait que je pense à respirer entre deux phrases parce que sinon je vais mourir. Ce serait con quand même, hein en, plein, en pleine vidéo. Hop, il est mort asphyxié, oublié de respirer. Allez, euh, qu'est-ce qu'on va faire L'adresse on va limiter la saisie à allez, 35 caractères. Un double clic. Textbox, textbox change. Et on va mettre un max un, euh, pardon un textbox 3. max length. Je ne sais pas comment ça se prononce. Length. Bon, max length. Égal, Allez, allez, 20 caractères. Et regardez, je mis sur l'adresse, hein. L'adresse c'est ma textbox 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Eh, ils vont même pas le 15, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caractères. et eh oui. Donc je ne peux pas habiter plus loin que 33 euh, avenues. Du général, du général, voilà. Alors ça, ça peut être pratique pour les numéros de téléphone, par exemple. Les numéros de téléphone, vous voulez éviter des erreurs de saisie avec le mec qui met 11 caractères, bien que bon nombre de mes collègues ont tendance à mettre des numéros de téléphone à euh, 9 caractères, bien sûr. Hein. Euh, pour les numéros de téléphone, donc, disais-je, ça vous permet de limiter à 10 caractères numériques. Hein, je vais changer l'adresse et je vais mettre téléphone. Tac, 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 pif, paf, pouf. Et vous voyez, 01, 42, 17, 12, 32. Et je peux rien mettre d'autre. Mon numéro de téléphone, il est complet. Alors vous allez me dire, ouais, il est complet, mais il est moche ton numéro. Regarde, quand tu valides, il n'y a pas les espaces. Vous voulez les espaces Mettons en forme un numéro de téléphone. Alors on va déjà... Hop là, mettre notre box de la bonne taille. De manière à ce que tout apparaisse. Hop là. Et que ça soit plus joli. J'efface ça. Donc j'ai le textbox 3 change. Euh, qui euh, ici me limite le nombre de caractères à 10 caractères. Et on va rajouter un textbox.value. Égal format textbox 3. Et maintenant je lui impose mon format entre guillemets. Alors on peut mettre des points si vous voulez ou ne pas en mettre. Et là, quand je vais saisir mon numéro de téléphone, ah ah merde. Ah, il veut pas Ah, il est chiant. Pourquoi il fait ça Regardez, à chaque fois il fait le truc. Ah, c'est chiant. Alors tout simplement parce que cette donnée-là on va pas la mettre dans un text box change, mais on va la mettre dans un textbox after update. Textbox 3, after update, donc après la mise à jour, et on va afficher ça. J'ai jamais essayé avec les points, hein. je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai toujours fait que des espaces, moi. 05, 49, 12, 31, 45. Ouais, vous voyez, c'est pas joli avec les points, il ne fait pas ce que je veux. Si je vire ça... Ça le perturbe les points. C'est vrai que le format numérique de numéro de téléphone dans Excel, il est tel que ça. Pas de points, juste des espaces. Alors, on réitère. Et il me fait bien le format numéro de téléphone en me mettant bien des espaces entre chaque paire de chiffres. Ça me fait une saisie qui est beaucoup plus belle. Par contre, vous voyez, je peux malgré tout saisir. Des données alphabétiques euh, dans une cellule que je souhaiterais uniquement numérique. Et eh bien pour ça, on va utiliser une méthode qui est la méthode KPress qui va permettre en fait de déclarer à textbox qu'elle ne doit recevoir que du format numérique. Alors c'est un petit peu plus complexe, mais je ne vous cache pas que je travaille beaucoup en copier-coller. Donc à partir du moment où cette euh, macro qu'on va mettre ici, cette commande qu'on va mettre ici est fonctionnelle pour la textbox 3, il suffit de la copier-coller pour la rendre fonctionnelle, pour la textbox 4, puis la 5, puis la 6 si besoin est. Donc ça va être simplement private sub textbox 3 kpress by val k as key, as msform.return euh, integer. Je vous passe les détails de tout ça. Travaillant en copier-coller, vous ne prenez pas trop la tête. Hein. Hop là. Et là, on va lui mettre les caractères qui sont disponibles en saisie. Et voilà. Et donc, avec cette, ces trois petites lignes de commande. Eh bien, vous n'avez plus désormais la possibilité dans la zone téléphone. Je ne sais pas si vous entendez, bougez pas, je rapproche le, le micro. Attention, hein, vous allez, vous allez faire une petite chute, ça va bien se passer. Donc là, là, vous entendez que j'appuie sur mon clavier, comme un bourrin. J'appuie sur des lettres. Hop, je reviens. Oh mon dieu, mon micro Hop. Vous m'entendez, vous êtes là Vous pourriez répondre quand je vous pose une question. Hop là on est bon On est bon. Attendez. Hop, je resserre parce que je... tout est en train de se barrer. C'est l'apocalypse. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà, on ne bouge plus. Donc, j'ai beau saisir des données alphabétiques. Il ne se passera rien. Seules les données numériques seront autorisées sur mon clavier. Avec, comme je vous l'expliquais, c'est euh... ces trois petites lignes de commande qui obligent l'utilisateur à ne saisir. Que du numérique alors ça peut servir évidemment pour des numéros de téléphone ça peut servir aussi pour des montants alors vous voyez là ici j'ai le revenu bah, déjà on va mettre un, 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 un format on va imposer un format alors toujours en after update quand vous imposez des formats euh, c'est quand même plus pratique ça sera plus souple et ça évitera les erreurs et donc là c'est un format montant donc textbox 6.value égale format de la Textbox 6, mais sous cette forme-là. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, je ne peux pas mettre de sigle euro. Bon, je ne vais pas mettre le sigle euro, ce n'est pas grave, parce que regardez, quand je mets le sigle euro, eh ben, il affiche mon ce truc d'enregistrement. Il faudrait que je modifie les euh, raccourcis clavier. Donc, ma Textbox 6, After Update, je lui impose un format numérique. Vous pouvez, j'insiste, rajouter le format euro ici. Hein. On va aller voir. Hop là, 125, 90. Hop, si je mets 2,5, vous voyez, il m'affiche la décimale. Il n'y a pas de souci. Euh, 2,789, il arrondit. Donc là, il fait bien le boulot. Par contre, dans cette cellule revenu, je peux encore saisir du numérique, de l'alphabétique, pardon. Donc on va rajouter ici la, les lignes de commande qui permettent d'obliger la saisie en... Numérique, et pour ça, j'ai juste regardé ici, je remplace le 3 par 6 pour lui dire c'est ma textbox 6. Ok, on regarde, je ne peux plus saisir d'alphabétique, je peux saisir du numérique. Par contre, oh, bah, je ne peux pas saisir de virgule là. Alors pourquoi Parce que regardez ici, textbox 3, c'était mon téléphone. Voici les caractères que je lui autorise. Pour une valeur numérique, il y a d'autres caractères qu'il faut que je puisse autoriser. Le moins, éventuellement, la virgule et le point. Donc, entre mes guillemets, je vais lui dire, voilà, tu peux saisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais aussi un moins, puisqu'une valeur numérique peut être négative, et une virgule ou un point pour définir des décimales. Donc là, le point... Il me le prend, il n'y a pas de souci. Le moins... Hop, excusez-moi, c'est mon téléphone, ça, c'est les affaires qui reprennent ça. Hop là, voilà. Vous voyez, il n'est pas très content, vous voyez, il devrait me mettre deux décimales. Alors pourquoi Parce que le point et la virgule ne sont pas reconnus de la même façon. Mais souvent, quand on saisit des valeurs numériques, eh bien, on utilise le pavé numérique de l'ordinateur. Et, puisque ce n'est pas forcément fabriqué en France, sous, la lettre, sous, le, sous le chiffre 3, pardon. La, le séparateur de décimales que vous avez, c'est un point et non une virgule. Et dans Excel, si vous tapez un point à la place de la virgule, je vous le montre ici. Alors ici, il fait le boulot tout seul. Mais si vous tapez un point à la place de la virgule, eh bien, il gueule. Il gueule parce que pour lui, un point. N'est pas un séparateur de décimales, donc cette information que vous avez saisie ici n'est pas une valeur numérique. Donc, deux options. Excusez-moi, je me suis perdu en route. Deux options soit vous n'autorisez pas le point. Ce qui fait qu'ici, je ne peux pas appuyer sur le point comme un séparateur de décimales, je vais donc être obligé d'appuyer sur la virgule, virgule qui n'est pas. Sur mon clavier numérique, sur mon pavé numérique. Là, il n'y a pas de souci. Soit, deuxième option, vous autorisez le point, et par contre, vous rajoutez cette petite ligne de données qui dit à Excel, ou qui dit du moins à ma en langage visual basique. Si on tape, alors K as key, c'est le code qui correspond à la touche de votre clavier. Et on lui dit tout simplement, si je tape le point, eh bien remplace-le par la virgule. Et là, regardez. Là, vous ne le voyez pas. Mais je tape le point sur mon clavier. Là, je tape la virgule. Là, je tape le point. Automatiquement, il remplace ma virgule par un point. Je peux peut-être tenter une petite feinte qui va être ça de mettre le remplacement du point par la virgule dans l'after update. Ce qui fait que, hop, regardez, 125,90, j'ai mis un point. Ouais, avec l'after update, ça ne marche pas. Il faut que ce soit sur le key press, ce qui est normal en soi, puisque c'est une action qu'on veut qu'il effectue lorsque l'on appuie sur la touche. Euh, mais, oh, ben excusez-moi, décidément ne peut pas être tranquille deux minutes. Hein? Hop là. Mais donc du coup, avec euh, cette ligne de commande-là, je lui déclare que je veux un format numérique monétaire. Et avec ces lignes de commande-là, celle-ci, je lui impose tel ou tel caractère. Celle-ci, je lui dis simplement, si tu tapes le point, rempasse-le par une virgule. Et là, quoi que vous fassiez, dès que les données saisies dans la textbox seront réintégrées dans Excel, si le besoin s'en fait sentir, et eh bien automatiquement elles seront reconnues comme des valeurs numériques sur lesquelles vous allez pouvoir appliquer des formules de calcul. Et ça, ça fait super plaisir Hein Non Bon, tant pis. Euh, autre chose aussi, et puis on va finir là-dessus, parce que finalement on a majuscule, minuscule, comment imposer... Euh, alors, hop là, je vais le faire là. Le nom, le prénom, on va le faire là-dessus. C'est la textbox 2, le prénom. Ou ouais. le nom. Textbox 2, on va imposer. Alors, A B A B C D E F G H I G, K L M N O P Q, R S T U V, W, X, Y, Z. Hop là. Et vous voyez que en faisant ça, je ne sais pas si j'ai modifié textbox 2, si c'est bon. Tac-tac-tac-tac. Je ne peux plus saisir dans le prénom des valeurs numériques. Je ne peux que saisir des valeurs alphabétiques et encore uniquement en minuscules parce que, bah parce que je lui ai demandé du minuscule ici. L case. Donc vous voyez, via cette méthode-là, vous avez la possibilité d'imposer que du numérique, que de l'alphabétique. Si vous voulez libre accès. À la texte box et tout mettre dedans. Pas de, pas de ligne de code, hein, ce n'est pas nécessaire. Par défaut, on peut tout mettre dans une texte box. Mais donc, vous avez la possibilité, par ces quelques lignes de code, d'imposer un format particulier, téléphone ou numérique, euh, d'imposer une écriture en majuscule ou en minuscule. Enfin, c'est l'inverse d'ailleurs, en minuscule ou en, mi en majuscule. Un nombre de caractères maximum et surtout. Ça, très pratique quand vous saisissez des bases, enfin des données numériques, de remplacer le point par une virgule. Voilà, messieurs, dames, hein et avec ça, qui je vous sers euh, Si, allez, on finit là-dessus. Un dernier truc tout simple euh, dans les propriétés. Parce que ça, le premier kiff quand on commence à faire des petites applis, c'est de se dire je vais mettre un système avec un mot de passe. Mais le problème, c'est que le mot de passe. Je veux pas qu'il soit saisi visuellement, tu vois, mais je veux qu'il soit saisi comme ça avec des petites étoiles. Je peux pas, j'ai imposé que je ne pouvais pas mettre d'étoiles. Des petites étoiles. Bon, ça, pas de prise de tête. Pas de ligne de commande bien compliquée. Vous sélectionnez la textbox, vous allez sur les propriétés. Et euh, de mémoire. Contrôle type texte. Euh, non, pardon. Hop là. Password caractère. C'est ici. Vous mettez les petites étoiles. Vous pouvez en mettre qu'une, hein. Alors je vais pas le mettre là, je vais le mettre là, sur la ville. Password, car, étoile, et quoi que vous saisissiez, ça apparaîtra sous la forme d'une étoile. Et vous l'avez votre mot de passe masqué que personne n'y voit, et que hop là, qu'est-ce que ça amène Qu'est-ce qu'il qu va y avoir, des trucs suspense et tout, et ben voilà. Bref, j'en peux plus, je vais aller me coucher parce que je suis debout depuis tôt ce matin. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera sur... Pff, je sais pas, je vais y réfléchir, on verra bien. Euh, si vous avez des questions, posez-les. Si j'ai des réponses, je vous les donnerai. Euh, voilà, encore un grand merci à tous pour vos abonnements. Un grand merci aussi à ceux qui ne sont pas abonnés. Un grand merci aussi à tous ceux qui, bah, qui, que je ne connais pas. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, euh, ciao, bye et bonne fin de journée. Allez, salut